Salut à tous, la rediffusion, on se retrouve donc pour un live sur les Galaxy of the Duelist Link Evolution. Et donc, enfin, vous allez pouvoir voir la fin de GX. Bien évidemment, avec derrière, en fond, évidemment, petite musique de 5-10. On se respecte. Du GX sur 5-10, on se respecte. Bien évidemment. Donc, on va affronter le deck venin. Je sais pas du tout ce que ça peut... ce que ça va nous faire, est-ce que ça va être dur ou pas. J'espère, je vais pas vous mentir. Tomber sur des trucs faisables. Parce que clairement, autrement, ça va être compliqué, quoi. Dites-moi si vous avez, si vous entendez assez fort la musique par rapport au jeu. En fait, je peux pas voir les deux trucs en même temps. Ah si, c'est bon, je pense que c'est bon. On va augmenter un petit peu la musique. Un poil de cul la musique pour que moi aussi je l'entende, parce que moi je veux entendre cette magnifique musique. Tu tâtes, putain, tâtes. Hop. Oui, perfecto. Oui, perfecto. Du coup, tu comptes jouer en ligne? Non, je compte faire l'histoire. Aujourd'hui, on fait l'histoire de GX et après, on partira sur l'histoire de DM que je dois finir, que je me dois de finir. Donc, RIP GX qui se fait recte par 4Kids. Bah, ça, c'est ça, malheureusement. Hein, c'est toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! En version traduite, tout simplement. Toute son histoire, c'est... et vas-y que les doublages sont très aléatoires et qu'au fur et à mesure des saisons on est arrivé sur du inécoutable, malheureusement. Mais bon, nous avons donc Reptilia en face. Eh bah ouais Reptilia, ok, génial, avec Marée Venin. Moi qui voulais pas des trucs trop chiants. Ah ouais, c'est pas mal quand même là ce que j'ai eu. Ah non, j'espère qu'on va pas tomber sur des duels. On va mettre 6 ans, quoi. Parce que c'est bien beau tout ça, mais. Bon, voilà, quoi. pas le deck Helios, quoi. On s'en souvient. C'est une terrible mésaventure, malheureusement. Non, déjà, ça fait quoi? C'est. Les monstres perdent 500 pentacles pour chaque compteur venin placé sur. Mais quoi? Je vais activer ça, ça ne sert à rien. Bah c'est pas mal ce qu'on a quand même. En vrai là il perd aussi de l'attaque hein, donc Farfa rejoint. Quoi? Farfa aussi rejoint la team chauve. Ça me fume. Attendez, je vais tenter un truc. Juste je tente un truc. Mais putain, mais tout le monde se fait la boule à Z, ça me rend fou. Ça me rend fou. Je vais tenter un petit truc, je vais faire copier là-dessus. Copier, ouais. Après je retourne là-dessus. Hop. On va tenter de mettre un petit chat là. Un petit chat. Non, non. Non, monsieur, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Hop. Histoire de qu'on puisse un peu vous voir, messieurs. Si je fais... Oui. Ok. Avec un petit peu de fond vert, attendez. Il y a un truc que j'avais pas vu. Oui, perfecto. Ça fait un peu moche comme ça, mais c'est pas grave. Mais mec, mais de toute façon nous aussi on va devoir le faire. Il y a un moment donné on va être obligé. Mec, moi là actuellement j'en suis, tu vois, quand ma mèche commence à faire ça, tu vois, quand elle commence à arriver là, ma mèche, généralement je coupe. Mais du coup bah on peut pas couper. Du coup ça me fait chier. Il va falloir que je trouve des solutions pour cacher ce trop plein de cheveux. Et soit je fous tout en arrière, soit et je me fais une queue de cheval. Jamais de la vie. Soit c'est compliqué, hein. Ça me fume les mains qu'on a là, j'en peux plus là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Contre-piège! Ça me fume! Ça me fume! Après la boule à Z aussi, c'est. Moi en vrai, je suis sûr un jour je vais finir chauve, c'est sûr et certain. Tu peux pas avoir autant de cheveux toute ta vie et ne pas finir chauve, ça n'a aucun sens. Mais c'est une belle coupe. Après ça va faire tellement bizarre au toucher, genre t'imagines la première fois tu te touches les cheveux, tu vas te recoiffer et t'es là, ah bah non. C'est vrai, je n'ai plus rien sur le cuir chevelu. Dans GX, il n'y a pas vraiment d'archétype à part héros élémentaire. Là tu dis un peu n'importe quoi par contre, il y a vraiment beaucoup d'archétypes quand même dans GX. Regarde l'archétype en face par exemple, c'est simple état de fait.
Non, il y a beaucoup, beaucoup d'archétypes dans Yu-Gi-Oh! Tout de même. Hein. Est-ce que j'ai moyen de défausser des cartes à part avec le soldat de cartes? Non, donc je vais prendre Clayman. Donc il y a Reptilia, il y a Helios, il y a évidemment l'archétype d'Alexia, il y a évidemment les archétypes de Cyrus, de Zane, il y a tellement d'archétypes, mais dans chaque saison il y a beaucoup beaucoup d'archétypes. Hein. Après, ils peuvent être à ton goût ou pas à ton goût, ça c'est autre chose. Et ça va merci UKTR, j'espère que ça va bien aussi de ton côté. Ah mais c'est quand même mieux avec le chat sur le côté là, parce que moi quand je regarde une rediffusion j'aime bien avoir un chat, donc... Ouais, c'est cool. En début de saison, il n'y a pas beaucoup. Non, mais en début de saison. Est-ce que dans le Rush Duel actuellement, par exemple, il y a beaucoup d'archétypes? Non, il y en a 3. Grosso modo, et encore 3. Est-ce qu'on compte musique comme un archétype? Je ne pense pas encore. Mais c'est normal. Normal qu'au début de saison, il y ait plus d'archétypes. Bon. Je vais prendre lui pour un potentiel. Je sais pas. Cœur farouche parce qu'il y a des pièges. Mais c'est tout à fait normal qu'en début de saison, il n'y ait pas grand chose. Voilà ce que je pourrais tenter. Je pourrais faire un petit... Attendez. Durant la round phase de chaque joueur, placer un compteur, ça on le sait. Je pourrais tenter le fou là et de mettre un Neos au cimetière, into au-delà de l'âme, sur mes 3 cartes là. Je peux tenter des trucs, hein. C'est parti. Oh. Arrête. J'ai mis un Neos au cimetière. Non, arrête. Est-ce que je l'invoque maintenant par contre? Parce que c'est bien beau, mais... vous pouvez placer un compteur venin sur un monstre contre votre adversaire si vous activez cet effet machin. S'il a la contre est-ce qu'il peut l'activer maintenant? Je sais pas. C'est Yu-Gi-Oh sur mobile? Non, ce Yu-Gi-Oh est sur PC, Steam, donc Switch, PS4, Xbox One. Et le Yu-Gi-Oh sur mobile, c'est celui que je fais sur ma chaîne, c'est Duel Links, Yu-Gi-Oh Duel Links. Donc je t'invite à aller sur le petit bouton en bas. Il y a le lien de ma chaîne. Et je fais du Duel Links et c'est le Yu-Gi-Oh sur mobile. Justement. Phantorus best archétype. Phantorus, archétype que je n'ai jamais joué. Mais j'avoue qu'il est rigolo. Ok. Lorsque vous recevez des dommages de combat à l'issue d'un combat impliquant un monstre de type reptile, invoquez spécialement un monstre de type reptile depuis votre deck dont l'attaque. Ok. Si tu veux. Si tu veux. Ah oui, il peut pas détruire ton combat, c'est vrai, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, ça. C'est un peu autre chose. Oh non, mais je me prends un compteur sur chaque monstre du coup. Ah oui, non, mais si j'attaque, je passe à 0. Je... Oula. Caramba. Caramba. Ah, il le réinvoque parce qu'il avait 0. Oh putain. Ah, ça va être chiant. Ah, ça va être sportif. Sportif, sportif, hein. Dwatsu best archétype. Bah du coup no spoil, mais j'ai tenté de faire le deck Dwatsu aujourd'hui. Mais c'est compliqué, hein. Je vais pas vous mentir, c'est assez compliqué de faire quelque chose de bien avec Dwatsu. Dwatsu, c'est assez complexe. Ouais, vas-y, mets des cartes au cimetière, mets en 3, tiens. Fais-toi plaisir un peu là. Encore un Neos au cimetière, quoi. Ouais, je peux juste lui mettre des dégâts et lui il passe à 0, je m'en fous et je détruis sa reptilie avec mon... Pas affecté par les pièges, mais non, mais c'est parce que c'est des... je perds combien là? J'ai combien de compteurs? 2, 1, 1. Oh, il y a beaucoup trop de compteurs là en fait. Placé sur eux. Ah, calmons-nous. Calmons-nous. Enfin sur ton live. Ouais, c'est vrai que comme j'ai pas de planning, des fois ça peut être compliqué de réussir à être en même temps sur mon live. Dans quel monde? Fous-toi de ma gueule, toi, un peu. Ah non, mais il a 1000 du coup parce qu'il a été envoyé au cimetière. Non. On s'entend pas à quelque chose de bien quand on entend Dwatsu Tsatsu. Eitsu. Ouais. En vrai, j'avais réussi à l'époque à faire quelque chose, hein, en vrai. Hein. Mais c'est vrai que c'est tellement, tellement complexe parce que c'est des monstres union, dont un monstre union level 10, un monstre union level 4. Et en vrai, le seul vrai effet. Est-ce que j'active ça? Non, même pas en fait, ça sert vraiment à rien. Le seul vrai effet de ces monstres, c'est... Oui, je gagne des points d'attaque. Voilà. Genre, y en a un qui te fait gagner 2500 points d'attaque et l'autre 3000. Mais par contre, il n'y a pas protégé par des effets, des trucs comme ça. Donc,
Donc c'est vraiment complexe à jouer. Et je voulais sortir cette vidéo sur YouTube, mais c'est compliqué, ma foi. C'est compliqué. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Mais j'ai une autre idée dans ma tête. Pour faire quand même une vidéo avec ce deck. Une petite idée. Oh, Neos, quoi. Mais t'es sérieux? Tu t'es vraiment pris 1000 pour faire ça? Ok. J'ai pas que Twitch, donc. Oui, bon, au pire, en vrai, ce qui est plus simple... J'ai l'habitude de dire Twitter, ce qui est plus simple, mais en vrai, finalement, Discord... Le Discord est bien plus simple, parce que finalement, sur Discord, il y a à chaque fois un everyone. Donc ça, c'est tout con. Impliquant un monstre type reptile, donc là, ça tombe bien, il n'y a pas de monstre type reptile. Donc là, ce qu'on peut faire... Sparkman Into j'attaque. Into, moins 1600. Bon, par contre, s'il a encore un reptile, là, c'est autre chose. Mais peut-être on peut gagner, là. Peut-être on peut gagner, je sais pas. Encore moins 500, mais... S'il te plaît, mec, mets pas des trucs. Oh non, mais pile 1400, mais tu me... Bon, il se prend moins... Ouais, ouais, c'est compliqué, là. Bon, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. À renvoyer dans le deck. Toi. Peut-être un Neos. Non, j'ai pas envie de piocher un Neos, en fait. Ah, j'espère que ça a marché, là, qu'on va piocher les bonnes cartes. Ça me fume, en fait. Ça me fume. J'ai vraiment pioché les deux seules cartes qui ne me servaient à que dalle dans cette situation, quoi. J'ai vraiment fait ça. Il se prend encore un venin, plus 400. Ouais, super. Oh, mais encore une Scylla. Qui peut m'expliquer le principe des monstres Link? Oula, c'est vaste. En gros, les monstres Link... Si je... Alors par contre, pioche une bonne carte là, s'il te plaît. S'il te plaît. Pourquoi pas. En gros, les monstres Link... Tu prends le... Je sais pas si tu connais les Xyz, mais tu prends le principe des Xyz où il faut combiner deux monstres pour en faire un. Les synchros, c'est pareil, tu combines deux monstres pour en faire un. Et ben là, en gros, les Link, on joue pas sur le nombre d'étoiles ou alors sur le fait d'avoir exactement le même niveau. Il a 3500. Bon, de toute façon, j'ai perdu, de toute façon, globalement. Donc, il prend pas le nombre de niveau, le nombre d'étoiles. Par contre, il prend le nombre de monstres que tu as sur le terrain. Et par exemple, pour faire une Link 1, il faut un monstre. Une Link 2, deux monstres. Une Link 3, trois monstres. Dans la théorie. Voilà. Après, il y a des petites subtilités, évidemment. Mais dans la théorie, c'est juste ça, en fait. Et ces monstres-là ont des flèches qui vont pointer certaines cases. Et à l'époque, tu pouvais invoquer des monstres de ton extra deck uniquement que sur les cases qui étaient pointées par les flèches du monstre Link. Rien de plus, rien de moins, finalement. Hein. C'est plutôt con comme système. J'aimerais bien qu'il y ait juste avoir mon R Justice Vertueuse. Lui péter sa magie de terrain une bonne fois pour toutes, quoi. Juste ça, en fait. Par contre, le héros surgit, là, ça peut être incroyable à un moment donné. Ça peut vraiment être incroyable. Bon, évidemment, il va start avec Scylla, hein, autrement, c'est pas drôle. Naga Reptilia. Ouf. Ok. Il se prend 1006, je passe à 0 par contre. Je suis à l'épisode 6 de Vrains. Ah bah tu comprendras très vite alors. Tu comprendras très vite justement les objectifs des links et comment ça se joue du coup. Ah, le problème c'est que cette carte là me fait vachement chier, quoi. Tant que j'ai pas un létal, ça sert à rien d'attaquer. En phase. Les vraies cartes. Ah, frère, Naga Reptilia, quoi. Oh non, mais double Naga Reptilia, ça fait beaucoup, monsieur. Sacrifice au deuxième temps, ça fait beaucoup, monsieur. Ça fait beaucoup, un peu, là. Ça fait vraiment beaucoup, là. Vraiment, je trouve. Putain, mais pourquoi on n'a pas Herman dans le deck, quoi? À partir d'un moment où on approche de la fin, on n'a toujours pas Herman dans le deck. Moi, ça me fume un peu. Est-ce que je reprends un... Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas.
Est-ce que du coup... Ah non, mais il va avoir dommage égal reptile à tous les coups. Juste invoquer ça. Non, c'est nul, hein. Je peux pas juste faire ça. Est-ce que j'attaque et je passe mon monstre à 0? Rah, hein, j'attaque. Allez, j'attaque. Je passe mon monstre à 0. Et je me dis, à un moment donné, je vais lui faire... Oh, il avait vraiment dommage égal reptile, quoi. Et il met une autre Naga Reptilia. Oui, oui, c'est dur, hein, ce qui se passe, hein. C'est dur ce qui se passe là actuellement. Naga Reptilia, c'est vraiment dur. Je crois que c'est là justement, c'est la seule qui nous manque sur... Non, là sur Duel Links, je crois. J'ai pu... Oh non, pas ça. Ah là là. Pendule plus Xyz. Moi, les monstres pendules que j'aime pas trop. Ah, la mécanique des monstres pendules, ouais, c'est un peu space. En soi. Oh non, il a 1500, c'est beaucoup, monsieur. Non, non, pas héros surgit tout de suite. Pas héros surgit. Y'a moyen, tu demandes à Konami de rajouter l'attaque duel. En fait, le. Oh, pourquoi pas ça? Oh, pourquoi pas ça? Alors, ça, c'est bienvenu, ça, la petite taupe géante néospatien. C'est très, très bienvenu pour le coup. On active l'effet, ouais. Alors, si seulement c'était aussi simple de demander à Konami de rajouter des trucs, mais déjà, il faut savoir un truc. Si jamais vous ne le savez pas, je pense qu'Alex a déjà dû le dire sur certains lives, et je l'ai déjà dit sur certains lives. Mais déjà, Konami France, Duel Links, ils font. C'est pas eux qui gèrent, hein, quoi, clairement. Eux ils font de la... Non je peux pas tenter ça. Ils font de la publicidad quoi. Mais c'est pas eux du tout qui gèrent le jeu. C'est vraiment les full les japonais. Donc déjà il faut avoir le contact avec les japs. Et même quand t'as le contact avec les japs, je pense que même globalement les japs ils peuvent pas faire grand chose en fait. Et à part passer par les enquêtes sur le jeu pour essayer d'avoir de faire comprendre à Konami qu'on veut l'attaque duel, ben en fait, t'as pas trop moyen quoi de faire grand chose. Bon, évidemment, il invoque Venominon, ça me fume toujours autant. Et il a 2000. Mais j'ai encore la taupe géante. Et donc, salut Atem. Donc, effectivement, on joue les techs de l'animé, mais face à Reptilia, qui a des très 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 bonnes mécaniques, globalement, on a du mal à s'en sortir. En fait, avec la taupe, je vais pouvoir faire des trucs. Oh, j'ai deux Néos maintenant, ça c'est fou, ça. Ce qu'il faudrait, c'est à un moment donné, je tente le héros surgit, et juste, il se passe des trucs incroyables, en fait. Voilà, je peux juste faire ça, activer l'effet, et lui renvoyer à chaque fois son Venominon dans la main. Et c'est tout ce que je peux faire, en fait. Qui a réussi à faire le monstre Uya? Je pense qu'il y a des gens qui ont dû le faire. Le petit Zark, là, mais... Là, j'ai tellement envie de tenter, mais ça sert à rien. Je peux prendre les 1008. En vrai, lui, il va devenir fat, hein. En vrai, lui, il va devenir fat. Par contre, du coup, il peut réinvoquer un Venominon. Il se prend 800, mais du coup, il peut... Ah, il a plus rien à... Waouh. Comment ça, dommage, égal reptile n'a pas marché. Il a plus rien à invoquer à moins de 800. Incroyable. Incredible. Oh, mais du coup, peut-être c'est la win. Ah bah non, on se prend encore 1100. J'ai pas déjà un écrome dans mon cimetière. Non, j'en ai pas déjà un. J'en ai vraiment pas un, quoi. Ce que je peux faire, c'est que je peux nécrombre mon flamboyant. Comme ça, j'ai un monstre au cimetière. Du coup, moi, ma petite chrysalide, là, je peux invoquer un monstre chrysalide. Mais ça, je le ferai le prochain tour. Parce que du coup j'aurais peut-être un écrombre au cimetière. Et du coup peut-être je pourrais faire Néos avec ça, qui sait. On espère, déjà j'espère que ça passe. Oh ça passe, incroyable. Là je vais pas vous mentir, j'y crois. Là j'y crois à mort. On veut les top decks de Jaden. Là je veux top deck quelque chose de fou là. Oh encore une carte face down, il a rien. Ok, je peux faire Néos hein. Et peut-être gagner. Ok. Je peux faire Néos. En invoquant en soi, qu'est-ce que je peux invoquer? Le scarabée. Depuis votre main ou deck. Est-ce que je fais le scarabée? Ouais, la scarabée en vrai. Peut-être que je peux gagner même sans Néos en fait. Parce que si je fais larve. Je peux pas faire effet. Ok, je peux pas faire effet, donc du coup, bah boum. Boum boum boum, et j'espère que ça passe quoi. Parce que pour le coup,
c'est sans doute notre meilleure chance de gagner dans les trois duels, quoi. Ta gueule, animation, par contre, tu es toujours moche, hein. Tu es toujours pas belle. Allez, please, please, please. Juste, en fait, là, ça marche, en fait. Y'a rien. Voilà. Ah, Yubel qui a essayé d'apparaître, mais qui est pas apparu, du coup. Dommage pour toi, Yubel. Dommage. DSOD est clairement mon best. DSOD est très stylé pour le coup, je dois l'avouer. Dans l'anime, il brille jamais l'énorme différence avec nous. Alors que pourtant, dans l'anime, ils ont... dans la decklist, ils ont vraiment une carte de chaque, quoi. Mais toujours, ils piochent la bonne carte. Au bon moment, bien sûr. Parce que c'est l'anime. Imaginez si le perso, il meurt. Imaginez si le perso, il meurt dès le début, quoi. Parce que t'as des duels où le perso, il aurait pu mourir dès le 10 ou 15e épisode. Hein. Par contre, j'allais chercher un truc parce qu'il y a un truc que j'ai oublié. Hop. D'ailleurs, il n'y a pas une nouvelle box qui va sortir bientôt sur Duel Links. On sait vraiment pas. C'est très compliqué de pour l'instant dire quoi que ce soit vis-à-vis des box Duel Links, parce que on espère que ce qui va se passer, c'est que dans la semaine, il va y avoir une espèce de mise à jour un peu secrète en mode, ils rajoutent une box dans la boutique et puis ils te disent ah bah demain ou alors aujourd'hui il y a une box. Mais je sais vraiment pas pour le coup. Ce qui me fait chier, c'est quand même son dragon détonnant qui va me détruire ma Pégase, quoi. Mais il faut quand même que j'aille un peu tout droit, quoi, à partir du moment. Ouais. Alors, lequel on va placer, sachant que les effets des bêtes cristallines, je ne les connais plus trop. Je crois que lui est pas mal. Envoyer le machin, cette carte, ça on s'en fout. Ton effet magie. C'est lequel qui a un effet sympa dans la zone magie ou piège. Ok, lui une fois par tour, machin, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez qui attaque ce tour, changer la cible de la position en défense. Pourquoi pas, lui. Que vous contrôlez les cibles par attaque, vous pouvez transférer la cible de cette attaque sur votre carte. Ok. Bon, je vais foutre un cobalt comme ça avec ma machine. Là, j'en ai toujours plus de monstres dans la zone. Parce que la baliste, je peux pas encore l'utiliser. Et lui, donc du coup, pour l'instant, là, cette carte peut pas être détruite. Et moi, ce que je veux aller, forcément, c'est au 2 pour l'attaque divisée. Le 3 est sympa. Bon, on va attaquer son cyber. Son petit phénix. Et ta window. Alors, il y a une question, mais quelqu'un y a répondu, mais je l'ai pas lu. Donc, c'est compliqué. Alors. Donc ça, ouais. Tu te fous là. Dans la zone pendule, parce que j'en ai rien à foutre, on n'a pas de pendule avec ce deck. Et merci du follow Mori My Thickness. Merci du follow, ça fait plaisir. En vrai, ce qui est rigolo, c'est que là on peut faire balise de cristal et on peut vraiment aller tout droit, quoi. Mais on peut aussi juste Excarboucle de Ruby. Mais elle va pas être invoquée spécialement pour le moment. Je me demande si j'invoque instant mais avec ma balise de cristal et je vais tout droit en fait. Parce que je peux aller tout droit en vrai. Lui. Ou alors je refais une Pégase. Parce que Pégase c'est fort. Et je m'en fous d'avoir tous les différents en vrai. Et toi, je vais mettre. Putain, un petit chat, pourquoi pas. Un petit chat. All-in.
Donc là on est à 3, 3 c'est durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte magie piège est activée, vous pouvez envoyer un monstre bête cristallin que vous contrôlez au cimetière, annuler l'activation. On a évidemment la paire que j'ai peut-être posée par contre, que je fais tout en ma phase 1 parce que j'ai trop l'habitude, mais tranquille. Et j'attaque. Son petit proto. Et là on est bien là, on est très bien là. Pourquoi Obélisque n'a pas le même effet que dans l'animé? Parce qu'en fait les effets dans l'animé ils sont trop puissants. À vrai dire ce qui se passe c'est que dans l'animé... Tu as des effets du genre il peut être détruit par absolument personne, derrière toi tu peux gagner le duel juste en sacrifiant deux monstres, enfin tu vois, il y a des effets qui ont un peu aucun sens quoi. Ouais allez on va le foutre là. Bon, alors là on a tellement de cartes. Mais... Ah, le tigre de Topaz, pourquoi pas. 4, c'est une fois par tour, vous pouvez piocher une carte. Bon. Et 3, c'est juste... Bon. On va piocher une carte, hein. On va piocher une carte. Oui. Mais du coup, je vais détruire lui, en fait. Au début, je trouvais Exodia pété. Bon, en soi, Exodia aurait pu être pété si on avait laissé des pots de cupidité et qu'on avait laissé les joueurs mettre 3 parties de chaque. Quoi. Alors, ça me fume par contre ce monsieur-là. La zone arc-en-ciel qui me permet juste de... c'est quel effet qui veut s'activer de la ruine arc-en-ciel là? Ne peut pas être détruite par des effets de cartes, on s'en fout. Vous pouvez diviser par deux. Ah oui, c'est juste diviser par deux les dommages. Je vais pas le diviser pour celui-là du coup. Et par contre là je divise. Par contre je remarque que ça y a. En fait je me suis bloqué avec la paire cristalline en ayant mis la tortue j'ai l'impression. Ou arc-en-ciel. Là il n'y a pas d'arc-en-ciel là visiblement. Là l'arc-en-ciel n'existe pas là. L'arc-en-ciel visiblement n'existe pas là. J'ai vraiment que des cartes monstres dans ma main, ça me fume en fait. Que des cartes monstres dans ma main. Donc je veux bien les cartes monstres, c'est sympa. Bon après les cartes magie là je me suis bloqué avec la paire cristalline, j'avais pas lu l'effet de paire cristalline. Je pensais que c'était mettre un monstre sur le terrain et pas dans ma zone magie piège, du coup elle me sert à rien maintenant. J'ai juste un effet... Ah j'ai pas pioché avec la rune arc-en-ciel et... Oh là là. J'ai activé le mauvais effet d'ailleurs. Mais j'ai pas pioché avec la ruine le dernier tour. J'aurais pu piocher. J'aurais pu. Est-ce que je l'ai fait? Non. Bon. Bon globalement là c'est loose hein, par contre. On va devoir recommencer ce petit duel. Cette fois-ci en mettant pas trop de monstres dans la zone là. Par contre j'espère vraiment qu'il y a plus de cartes magiques que ça. Parce que en fait là de base avec toutes les cartes que j'ai fait, je ne pouvais même pas battre un cyber dragon. Rendez-vous compte. J'ai pas plus de 2000. Donc j'espère qu'il y a d'autres cartes dans le deck quand même. Ouais, le fait que les monstres... Les monstres du égyptien n'ont pas d'invocation, enfin d'animation d'invocation, c'est... Écoute, c'est très dommage, effectivement. Ah bah s'il était là, Dragon Arc-en-Ciel, du coup. Il est complètement présent, il est là. Ah non, je crois que c'était Gozuki. Calmons-nous. Ok. Eh ben on va mettre ça en mode def. J'ai la bénédiction, c'est des max de monstres dans votre cimetière placé dans la zone, c'est pas mal. Et surtout l'abondance, qui est assez quand même sympa. Pour un petit OTK. Pourquoi pas un petit OTK à prévoir. Best monstre dragon, mais difficile à invoquer. Hein. Il va me falloir les 7. Oh non, pas la fusion du futur maintenant. Ok. La fusion du futur, elle va me... Ça va être compliqué, hein. Va falloir qu'on mette très très vite des monstres dans notre zone, là, en vrai. Et que je fasse la bénédiction sur une grosse fusion, parce que on n'a pas encore vu ce qu'il va faire comme fusion, mais je sens qu'il va me faire... que ce soit l'ultime, soit le Chimera Tech, mais over 3000 avec... Enfin, avec un amant de monstres, donc on va voir. Et je pense qu'il va t'envoyer beaucoup trop de monstres, là. Ah, il fait l'ultime, ok. L'ultime ça va parce qu'il envoie ses 3 cyber dragons quand même donc ça me va encore. Ah oh, il a 2500 et... Donc toi ouais.
Et toi, ouais. Ah, il se détruit une fois qu'il attaque, lui. Oh, bah, c'est vraiment une carte de merde. C'est vraiment une carte naze. Bon. Ouais. Là, je serais juste tenté de faire la tortue. C'est pas des monstres différents, rassurez-moi. Non, c'est pas des monstres différents. Pour lui. Hein. Ouais. Ça, ce qui serait incroyable, ça serait d'abondance into dragon, quoi. Dans l'anime, dans la première saison, les sacrifices n'existent même pas, tu invoques un monstre comme tu veux, ouais. Ouais, dans l'anime, ils faisaient ça au début. Et le trichage de règles, ça dure encore pendant très longtemps, parce que moi, je remate DM, j'en suis au saut de recalque. Quoi? Oh non, ça c'est horrible, ça. Et même au saut de recalque, ils trichent encore de fou, donc c'est... Ça me trigger un peu. Mais là, ça va être compliqué. Là, c'est l'ultime plus le dragon cyber ténébreux, le même tour, qui est équipé avec un monstre à 2000. J'ai quasiment lose. En fait, j'ai lose là parce que je pourrais rien faire. Il va me rester tellement peu de points de vie, je pourrais rien faire. C'est trop difficile là ce qu'il m'a fait. C'est trop dur. Dans un seul tour, se prendre l'ultime et le... Ah non, monsieur. Quoique... En vrai, je fais ça. Je fais Pégase de Saphir. Je mets... Mais bon, c'est bien beau quoi. Du coup, il me manque. J'ai pas l'éléphant. Enfin, le mammouth. Calmons-nous. Je fais l'abondance. Je fais l'abondance, écoutez. Et je sélectionne 5 cartes. Bah, j'ai que 5 cartes, donc on fait ça. Et je sais pas si j'ai un létal. Je n'ai pas compté. Si j'ai l'étal, c'est bien. Très, très, très bien. Donc là, ça, ouais, ça, c'est que 600, hein, donc ça fera 1002 plus tout le reste. Je mets en mode def. Hein. Ça, genre, en mode def, j'ai clairement pas de l'étal là-dessus. Et j'ai même l'effet de Pégase qui s'active, tiens. Donc je peux mettre l'aigle qu'on n'a pas encore eu. Est-ce que j'aurai pas bientôt ce qu'il faut pour... On a 1, 2, 3, 4, 5. Il manque le chat améthyste encore. Et l'escarboucle. On pourra sans doute pas faire le dragon, mais on y était presque. Hein. On peut presque faire l'arc-en-ciel hein, quand même. Hein. Presque faire l'arc-en-ciel. Hop. Et il aurait manqué 1100. Bon, je pense pas qu'on pourra le faire en vrai, parce que vu que j'ai un terrain full, il faudrait qu'il me détruise ma... Non, il m'en manque deux quand même. Hein. Oh, l'escarboucle en plus qui me troll. Et qui est là, hein, qui est littéralement là. L'escarboucle qui me troll. Allez, j'attaque ça, j'espère que ça passe. Et ça passe, c'est un proto. Putain, mais heureusement, cette bénédiction était dans ma main. Heureusement que j'avais un Pégase aussi dans ma main, du coup. J'avais vraiment tout, finalement. Pour gagner. Bah, heureusement, tiens. Heureusement. Bien joué Jesse, enfin plutôt bien joué Zayn, très beau duel. Et nous avons le retour du dragon. Muy perfecto. Nous affrontons Marcel et rendez-vous compte, c'est Marcel il l'a. Ah, moi je veux son disque de duel par contre, hein, à Marcel. Hein. Ah, mais à un moment il faudra qu'on fasse un truc du coup. Il faudra qu'on fasse la tier list des disques de duel. Bon, ça en vrai c'est compliqué, mais la petite tier list des disques de duel là, qui peut être présente. Hein. Mais je suis pas sûr qu'il existe des images de tous les disques de duel. Faut que si, en prenant des images de l'animé. Oh non, on rejoue Jaden. Jaden qui a toujours le même deck, hein. ils lui ont vraiment pas changé. Hein. Bah oui, bien sûr, double charité, on est dans quel monde là? Bah oui, bien sûr, triple charité. Sinon, tu t'arrêtes quand? Triple charité. Triple charité. Il a foutu un Uria au cimetière. Fortin. Slime. Il a foutu Uria au cimetière. Chirurgie ADN. Non mais, what the fuck? Messager de la paix, ça me... Voilà, vous savez ce que je pensais des cartes. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, piochez une carte. Bah bien sûr.
Hop. Et moi, je fais quoi? L'immoluminescent en mode défense. Il manquait de Pot of Greed. Et il manquait aussi, genre, une petite Card of Demise. Il manquait aussi le... Merde. Celui qui, met des, qui bannit des cartes pour piocher deux, là. Je me rappelle plus, ça me fout le démon. Et Exodia. Il manquait tout ça. Ah, mais du coup, je fais quoi, là? Je fais quoi, à part Sparkman, que j'invoque parce que faut l'invoquer, et contre-attaque? J'ai rien à faire. Je ne peux rien faire. Il me bloque avec son messager de paix. Peau des désirs, voilà. Il me bloque. Ça, c'est vraiment les pires cartes du jeu, ça, les messagers de paix ou quoi, parce que c'est... Je suis sûr qu'il va te sortir limite de zone B ou un truc du genre. Oh, vendeur de cercueil. Vendeur de cercueil. Double le mon luminescent. En vrai, je pourrais même faire un truc. Je pourrais même attaquer avec mes limons luminescents. Parce que mes limons luminescents, ils ont quand même leur effet, tu vois. Ah oui, c'est vrai, je fais piocher une carte à mon adversaire, j'avais oublié. C'est ça son effet, limon luminescent. Je peux. Est-ce que je le fais à la meule, mais par contre, je me prends Ouria. Ou alors Amon, ou alors tout. En vrai, là, attendez, il a deux magies continues. Il a deux pièges continues. Si la troisième, c'est pas une piège continue, il peut pas faire Ouria, Amon. Oui, il peut se passer des trucs là. J'ai pas un troisième limon luminescent, tu sais, pour le lol un peu. Ah, par contre, j'ai Avian. Et Avian, ça, c'est à moins de 1500. Et ça peut attaquer ça. Bah non. C'est Avian, c'est lui. C'est le monsieur à côté, quoi. Oh là là. Au pire, je le meule avec limon luminescent. Hein. Deux cartes chaque tour. Ah bah non. Parce que ça peut carrément arrêter la battle phase en fait. Ouais, un petit peu. Oh non, le slime métallique. Du coup, il a 3 pièges continus. Ok. En fait, l'effet du... Il est sympa, il me semble. Alors. Une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez détruire une carte face recto contrée par votre adversaire. En fonction du type de cette carte, appliquer l'effet approprié. Monstre, je peux pas combattre. Magie, on peut attaquer directement. Piège, on la change en position de défense. Il peut... Très bien, y avoir prochain tour un petit Néos luminescent. Un petit Néos luminescent, pourquoi pas. Et je détruirai en premier. Bon bah en fait il a Amon. Oh non, il a les deux à la fois, il a Amon, il a Ouria. Amon Ouria. Oh fuck. Amon Ouria. On vient de se prendre Amon Ouria en même temps. D'accord. C'était pas prévu du tout. Mais alors pas du tout. Ok. Le meilleur jeu, voilà. Ah voilà, Amon Ouria même tour, c'est compliqué quoi. On était si proche de faire juste le Néos luminescent. Est-ce qu'il va recommencer genre avec... Oh, il a eu moins de trucs. Eh. Il a pas fait ses 3 charités gracieuses. Rendez-vous compte, on a peut-être une chance. Fortin, il a 2000 de défense. Qui je peux prendre? Il est où mon Clayman? Ah, y'a pas Clayman dans le deck. Mais pourquoi? Mais pourquoi y'a pas Clayman dans le deck? Ça me fume en fait là. Bah je prends Avian. Mais y'a pas Clayman dans le deck? Ah oui, ils s'en battent les couilles de Clayman en fait là. Ok. Avian en mode défense, mais tu sais. Je sais pas. Je pourrais mettre des monstres en mode défense en soi, ouais. Je peux peut-être faire une poly avec. Je sais pas. Je vous avoue que je suis au bord du gouffre. Je suis au bord du gouffre. Je suis au bord du gouffre. Du coup, si je prends Bulman là. Attendez.
Faut que j'aille voir mon terrain. Bien sûr, je peux pas voir mon deck, évidemment. Enfin, mon extra deck, en vrai. Un héros des éléments qui n'a pas toutes les cartes, visiblement. Bon. Bueno, bueno. On peut faire que marin. Ok, vous allez voir. Vous allez voir. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Il va se passer des choses. Hein. Normalement, c'est la stratégie gagnante, normalement. C'est la stratégie gagnante. C'est marin héros des éléments. Ça face down. Et normalement, vous allez voir, il se passe des choses. Je mets ça parce que j'ai dû faire 5-6 tries. Ah bah là, on s'est pris Amon Uria tour 1. Pas tour 1, mais en même temps. C'était sympa, quoi. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pas mal, quoi. Ça, quand tu t'es fait chier à faire une fusion, c'est pas mal. C'est vraiment sympa. Quand tu t'es fait chier à faire ta fusion. Donc, en plus, il y a des trucs genre explosion chaotique. Ah, mais il a rien, eh. Mais quel bolos. Nul. Marcel, nul. Voilà. Retourne conduire le camion de Jamie Marcel. Voilà. Bon, je me garde quand même mon au-delà de l'âme en vrai. Hein, parce que, bon. Donc, en fait, j'ai la stratégie de. Bah, il y a le slime en fait. Donc, il n'y a pas de stratégie, il y a juste le slime en fait. Bah, non, peut-être pas replay quoi. Je vais pas te mentir. Peut-être on replay pas. Parce que ça, même avec un deck Link. Oh non, pas le fantôme du chaos. Pas lui. Hop, moins 1000. C'était gratuit, hein. C'était vraiment gratos. Démon. Ouais. C'est encore une poly. C'est marrant parce qu'en fait, ils ont mis poly dans le deck. Mais ils ont mis le seul... Ils ont mis en fait... Enfin, ils ont pas mis plutôt le seul monstre qui aurait été utile dans cette situation. C'est-à-dire le géant de tonnerre. Qui aurait été grave utile. Ils l'ont pas mis parce qu'ils se sont dit peut-être ça serait trop simple en fait. Peut-être les gens ils se marreraient pas si on leur mettait des vrais monstres. C'est juste au secours. Ok. Et c'est le défenseur nécro qui va permettre de. De quoi? Jusqu'à la prochaine phase de cet adversaire, ce monstre ne passe. Mais nique ta race avec tes polymérisations. Il peut pas être détruit, hein. C'est bien ça que j'étais en train de dire. Ouais. Surtout qu'en plus, il a pas l'air d'avoir une excellente main. Moi, ça me semble vraiment bien, ça. Je peux prendre l'effet de... C'est pas mal, quoi. C'est pas mal, quoi. Tintin. Oh, mais il avait encore fantôme du chaos. Ok. Panthère. À la base, c'est pour les enfants pour remonter la selle. Non, mais c'est ça le pire, c'est quoi c'est... Bon, après, le jeu n'est pas totalement pour les enfants parce que Yu-Gi-Oh! C'est quand même. Ça demande quand même un certain âge, je pense, tout de même. Mais les duels sont quand même bien débiles, quoi. Genre. Pourquoi j'invoque Avian parce qu'un jour on en aura besoin, qui sait. En vrai, je sais même plus l'effet qu'il a le. Le panthère. Je crois que son effet est nul. Vous pouvez sélectionner un monstre effet face recto sur le terrain. Tant que vous contrez cette carte face recto, l'effet du monstre sélectionné est annulé. C'est bien beau qu'il soit annulé, il a 3000. Et avec Neospace, j'aurai 3000. Donc voilà. Fortin, la forteresse, il a de quoi faire une de ses bêtes sacrées. Et il l'a fait. Il a combien? Il a 4000. Il a 4000 et à partir de ce moment-là, vu que dans ce deck il n'y a que des cartes de merde, eh ben je ne peux rien faire. Globalement, on est à peu près à là. Pot de vin du temple maudit. J'ai pioché une carte, peut-être c'est là. Ah. C'est parti pour polymérisation encore. Je peux faire que marin. Je sais pas quoi penser. Je peux faire que marin.
doit y avoir des cartes dans le deck qui permettent de faire des trucs, tu vois, mais... Après je peux... Si je prends l'effet, attendez. Le nom de cette carte devient le nom d'origine du monstre et aussi remplacer cet effet avec les effets d'origine du monstre. Il a quoi comme effet d'origine? Cette carte gagne 1000 points d'attaque pour chaque carte piège contenue dans votre cimetière. Mais j'ai aucune carte... J'ai aucune carte piège continue, quoi. Donc je vais gagner 0 points d'attaque littéralement. De toute façon, il faut que je la garde en mode face down pour pouvoir attaquer directement. À moins que ce soit qu'une carte. Oh non, c'est qu'une carte magie face down, quoi. Donc je peux même pas attaquer directement avec Marin. On me retire même mon seul moyen de lui faire des dégâts. Pas mal, quoi. Après, messager de la paix, du coup, il peut pas attaquer lui. Tu vois ce que je veux dire un peu là-dessus? Du coup, il peut pas attaquer non plus. Pourquoi fait-il ça, monsieur? Pourquoi? Oui, voilà, tu détruis. En fait, pourquoi il l'a mis? Trop con. Trop con, en fait. Oh, s'il te plaît. Même un trou noir, c'est de la merde, donc je sais pas. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, monsieur. En fait, c'est ça, c'est que même un trou noir, c'est naze. Il voulait te meule. Voilà, je sais pas ce qu'il voulait faire, mais il a, en tout cas, il a bien perdu sa carte pour rien. Il a même pas payé une seule fois. Est-ce que vous connaissez une carte dans le deck de Jaden qui permet, qui me... Mais arrête de piocher des monstres à sacrifice! Genre, est-ce que vous connaissez vraiment une carte dans le deck à Jaden qui peut résoudre cette situation? Là, il invoque un monstre à 1000 et c'est terminé. Parce que moi, personnellement, je... Là, il faudrait déjà que je pioche la carte qui me permet de repiocher des cartes. Déjà. Là, j'ai sacrifié Nécrombre juste pour pouvoir avoir l'effet de Nécrombre au cimetière. Hein. Ah bah, c'est perdu. En vrai, s'il y a taupe. Taupe, ça pouvait être rigolo. Malheureusement, là, Nécrombre, mode défense. Voilà. Et je fais rien en phase. Bon. On va encore essayer une fois, comme avec le deck de l'histoire, parce que si, parce que c'est possible. C'est toujours possible de gagner avec le deck de l'histoire, même si effectivement... Voilà quoi. Il y a des petites difficultés. On est juste, j'ai enlevé 2-3 trucs parce que je vois que... Hop. Ok. D'ailleurs, oui, dites-moi. Un truc que je ne sais pas. Dites-moi. Si là, le stream vient de changer un peu de couleur. N'hésitez pas. Parce que ça m'intéresse de savoir si le filtre que j'ai sur mon logiciel se voit aussi sur le stream. Je pense pas, hein, mais par contre, en vrai, les mains à chaque fois, elles sont horribles. Les doubles néospaces, les triples néospaces, il faut arrêter, monsieur. En fait, j'ai l'impression que pour ce duel-là, ils ont mis le... Peut-être la pire version du deck de Jaden pour ce duel-là. On y est peut-être pas loin. Allez, j'invoque ça. Il est où Flaming Man? Bah, ils sont où? Juste les fusions, les vraies fusions de Jaden sont où, quoi? Parce qu'au niveau des fusions contact, on a les pires fusions contact en plus. Hein. On a que le Néos Luminescent qui est sympa. Pas pour le moment. Oh non, mais. Il y a trop de cartes magie inutiles hein, dans ce deck. Hein. Enfin. C'est des cartes magie utiles, mais là où je galère bien, moi, c'est contre Valon dans DM avec son deck robot bureau. Oh, mais oui, c'est vrai, il y aura Valon à un moment donné dans DM. Mais de toute façon, on n'est pas prêt de finir GX hein, pour le moment, donc on a le temps avant d'arriver à DM. Hein, puisque GX, on piétine un peu. Ok, contre-attaque des héros, ouais. Limite, j'ai tellement eu une mauvaise main que j'aurais limite du reset là. On verra. Si tu crois en ta chance, tu peux faire comme dans l'anime et tenter Neos KO.
Là, je peux tenter de perdre là, bientôt. Ça peut très très vite arriver. Parce que le pire, c'est que même au niveau du backrow, le backrow est naze en plus. Enfin, là, j'active cet effet, ouais. Ah bah oui, pot de vin du temple maudit. Bah limite, je préfère piocher une carte, tiens. Utilise O. Ouais, je veux bien utiliser O, mais ça va pas me servir à grand chose pour le moment. O, j'aimerais bien utiliser pour réinvoquer Neos en fait. Mais je peux pas défausser pour l'instant Neos. J'ai aucun moyen de foutre Neos. Bah, je peux invoquer Neos avec Necron, moi. Voilà. Necron aura mis à 1800, du coup, je peux. Bah, Poly en vrai. Poly pour faire le Dark Bright. Durant un combat, entre cette carte attaquant et un monstre en position de défense, dont la défense est inférieure à l'attaque de cette carte, affligée dommage. Cette carte attaque changeait la en position de défense à la fin de la damage step. C'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment pas ouf, mais c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a à Spyro? Pourquoi mages-tu mon pseudo? On va se dire qu'avec Dark Bright, on a des chances de faire des trucs. Et que maintenant, on a un écrombre au cimetière. Donc on peut invoquer Neos. Maintenant Neos pour le moment ne sert à rien, j'aimerais bien le garder. J'aimerais bien garder mon petit Neos pour un jour. Jean Kertoni, quoi? Je comprends pas. Je dois être dans une autre dimension, mais là je... Le gros va. Oh là, cette OST est pas mal. Hein. Messager de paix. Voilà ce qui est bien. Dark Bright qui est sur le terrain, donc s'il m'attaque avec Amon ou alors tout n'importe quoi, son effet va s'activer. Je vais juste me protéger en mettant un petit Avian sur le terrain. Je vais pas invoquer tout de suite mon truc là, mon Neos. Et de toute façon, on va rendre face parce que messager de paix. Référence à Joker de Persona. Ah, mais moi je ne regarde pas le Persona. D'ailleurs, je n'ai jamais vu que ce soit animé ou tout autre jeu ou de personnage. Je ne connais vraiment R l'univers. C'est de mode aventure, je me posais la question, qu'est-ce que c'est que cet adversaire? Bah tu vois, il essaye de me jouer Armitil. Voilà. Lui, il peut me jouer Armitil s'il veut. Il ne regarde pas les Suki, non, je connais pas. Moi, je connais que Jean Bonny TV. Je connais pas les Suki, moi, je... Je sais pas qui c'est. Et salut Alexandre. Le problème c'est qu'en soi c'est considéré comme des monstres ça. C'est plus considéré comme des cartes pièges. Donc du coup ça compte même pas pour R. Ah si c'est bon, ça compte pour R. Est-ce que j'ai plus peur? Bah de toute façon j'ai peur de ça, moi j'ai peur de ça. Boum, boum, boum. Unité d'arbitraillement, tu pioches. Ouais. Je sais pas si j'ai le létal. Normalement j'ai le létal. Mais est-ce que j'ai létal sans utiliser O? Alors 2000, 3000, 5000, 6600, 7000, 600. C'est drôle. C'est plutôt drôle. C'est plutôt drôle. Oh non, il a le Battle Fader! Il a le Battle Fader! Mais quel bâtard! Quel gros bâtard, Battle Fader! Non! Non! Double unité de ravitaillement, toujours plus. Défenseur nécro, je peux pas détruire son Battle Fader. C'est marrant, bah, Lucaim qui dit exact létal Sipa Fader qui a dû le dire en avance. Et du coup, bah, pile le Fader quoi. Pile le Fader. Mais j'ai même pas ma poly pour pouvoir attaquer ou quoi. J'ai faux héros qui me sert à rien pour le moment. Je vais attaquer avec le Dark Bright, voilà, ça ne sert à rien. Mais je passe en mode défense, voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, voilà. Oh merde, il va détruire son mari miroitant sur mon Dark Bright. Non, il va rien faire, je sais pas. Et il a 3 monstres maintenant.
Il a pioché tellement de cartes, regardez. Après, oui, il se prend 300 avec les vendeurs de cercle. Je suis nul. Nul. Allez, c'est parti. On attaque le monsieur. Boum. Il va piocher 2 cartes. Ça, c'est 1000, ça. Bon, ça, c'était une carte piège, du coup. Défenseur nécro. Et figurez-vous que j'avais oublié le Dark Bright qui faisait des dégâts perçants. Par contre, encore un Battle Fader. Est-ce que j'ai envie de me... Avec un défenseur nécro au cimetière, est-ce que j'ai envie de me fumer? Peut-être. Charité gracieuse, peut-être. Pas de magie continue. Pas de magie continue. Vendeur de cercueil. Ah oui, carrément, encore un vendeur de cercueil, quoi, le monsieur. Bah, en fait, ouais, la bulle man en attaque parce que j'en ai plus rien à foutre. Ah oui, mais il a défenseur nécro. Voilà. C'est vrai qu'il a défenseur nécro le dernier tour, donc en fait, là, il va juste m'invoquer, je sais pas. Oh, il a rien, heureusement, et. Ah, et heureusement qu'il a rien. Par contre, il va se passer des choses, là. Il va. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain qu'il se passe des choses. Mais tu m'as. Laisse-moi attaquer avec le monsieur, là. Il pioche 2 cartes. Limite, avec ça, on peut aller à la meule. Hein. Bon, j'espère pas. J'espère que là, quand même, ça va passer. Pas de Battle Fader. Slime. Slime. Slime, bordel. Slime. Mais non, pas le slime. Ah, je peux pas, moi, le slime. Je ne peux pas faire. Je ne peux rien faire face au slime. Et voilà, il est ici. Ouh, Aria qui a 7000. Plus messager de paix. Pourquoi attaquer le slime avec Neos sachant qu'il y a 3000-3000? Bon là, ce que je... Ah oh, non, mais du coup, je peux pas... Il aurait fallu qu'il détruise un monstre de plus. J'espère bien qu'il va détruire un monstre de plus. Je mets... Je peux pas mettre le limon maintenant. Par contre, j'ai au-delà de l'âme pour un tour. Un potentiel tour à un moment donné pour le plaisir d'attaquer, non, c'est pas forcément la fin. Hein, puisque regardez, lui il fait pas de dégâts perso. Oui, bon, forcément, ok. Fortin, ok. Toujours Fortin. Meule avec le. Non, mais le limon, j'ai envie de le garder pour faire au-delà de l'âme. Limon. Pourquoi me met-il démon? Je ne sais pas. Annuler l'activation d'une carte magique piège ou de l'effet d'un monstre effet qui cible plusieurs monstres. Ok, super. On va déjà essayer ça. On va voir ce qui va se passer. Ouais, pour invoquer Ariel. Sachant que normalement, de toute façon, l'effet, c'est je peux quand même cibler. Normalement, ça, je peux cibler un monstre aussi, hein. Bien évidemment. Hein. Ouais, monstre. On verra bien. C'est le moment ou jamais. Stack, stack. Ah mais Pika Piti, tu as accès au coin avec les points de chaîne, incroyable. C'est vrai que je peux gagner de la place, hein. Je peux te foutre là pour gagner de la place. Du coup, activer effet. Cibler, monsieur. Boum. Oui, pioche 2 cartes. Est-ce que du coup là c'est je ne peux pas attaquer? Cette carte ne peut pas combattre ce tour. On est d'accord. Par contre, si je fais encore au-delà de l'âme... Ah, j'ai que ça. Je peux pas faire retour. C'est vrai, Néo s'est pas mis au cimetière, mais... Donc en fait... Bon, du coup, j'ai mis en mode attaque, hein. Yes. Je suis allé un peu vite là. Je suis allé un peu vite. On va faire ça. Je suis allé un poco rapide.
Allez. Non, justement, fallait cliquer sur non. Oh là là, mais pourquoi? Pourquoi j'ai cliqué sur oui sans faire exprès? Ça me fume. Ça, c'est l'effet qui à chaque fois me trigger. Je clique sur oui, je fais même pas exprès en fait, à chaque fois. Chaque fois. Oh! Pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Moi, je veux pas. Moi, je veux pas. Oh là là, mais vous le savez, hein. Vous aussi, vous cliquez sur oui sans faire exprès à chaque fois. Marie Miron, attends. Ok. Dix mille. Es-tu Sylvan Player? Mi click yes. Exactement, je suis Sylvan Player. J'ai quoi au cimetière? J'ai plus rien au cimetière. Plus rien au cimetière. Plus rien. Toi, je te mets là. Il peut se passer d'Armitide. Ah bah là, il y a un petit monstre à 10 000, c'est pas mal quoi. Pas te mentir, c'est pas mal. Un autre fantôme du chaos, c'est pas mal. Attends, il a mis son fantôme du chaos en mode attaque pour essayer de me baiter. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte qu'il essaye de faire ça. Mais bien sûr! Allez, détruis-moi ça! Ah, oh, il pioche encore deux cartes et... Technique mystique pour invoquer Armitil, exactement. Vous savez que là, du coup, je... Bon, là, en vrai, j'avais pas gagné, même avec ça. Mais là, t'es un peu deck d'avoir pas mis en mode attaque, mais en vrai, là, je... On va voir, hein. On va voir ce qui va se passer. Fortin, encore! Mais tu l'es... Mais en fait... je sais même pas ce qu'il peut avoir dans son deck. 3. Oh non, il l'a. Oh non, il l'a. Oh non, double 4. Ça fait des... y a un truc qui fait des dégâts perso, non? Moins 1000. Et pourquoi encore des faux héros? Nique-toi avec ça. Ok. Je me prends 1000 à chaque fois. C'est compliqué ce qui se passe actuellement. On n'est pas très très content. D'être au combat. Ouais. C'est un enfer sur terre. Même quand tu te dis peut-être il peut perdre à la meule. Eh ben non. Et maintenant, il ne va pas perdre à la meule. Fantôme du chaos, mais bien sûr, mais bien sûr, il a, mais bien sûr. Oh bah oui, il détruit ça en plus. Bon, je prends 1000. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais... Et qu'est-ce qu'il fait, putain? Mais ça me fume, putain. Il invoque Battle Fader en mode attaque, il en a plus rien à foutre. Il en a plus rien à foutre, en fait. Mec. C'est... Je pense qu'on peut le... On peut le nommer le pire duel de cette campagne. Hein. Il invoque un démon pour Raviel. C'est vrai que tu l'invoques en mode attaque, c'est assez intéressant, quoi. Il est bourré. Bah, je vais bien, Link GG. Enfin, je vais bien. J'allais bien jusqu'à ce que je rencontre Marcel. Marcel que je n'aime pas. Voilà. Vraiment. Et regardez ses mains de merde. Est-ce que je reset? Attendez. Ça dépend de la main adverse. On peut avoir une main adverse terrible. Mais je ne suis même pas sûr qu'il y a une main correcte avec ce deck. Je suis même pas sûr que ça soit vraiment possible, à part en ayant R Justice Vertueuse, main de départ, de faire quelque chose de cool. Parce que là, il y a du slime, en veux-tu, en voilà. Et j'ai deux polis, main morte. Reset. On me dit reset, je vais reset en full chiasse. Hein. Full chiasse. Hein. Là, il faut être stratégique, il faut reset. Il faut reset.
des fois le jeu te donne un deck merdique, c'est infâme. Ah oui, non, mais c'est ça que je reproche le plus au jeu, c'est que t'as des duels qui sont pas du tout équilibrés, et donc c'est. En fait, c'est vraiment pas fun à jouer du coup, dans certains duels. Autant je veux bien des fois que t'aies des mains de merde avec certains decks, autant quand c'est le jeu lui-même qui te donne des decks injouables, bah c'est quand même vachement dommage quand même. Ok. Là on va jouer. On va jouer. Parce que c'est Vendeur de cercueil qui est posé, donc pour le moment Vendeur de cercueil c'est pas trop grave. Pour le moment. T'aurais pu faire une fusion avec Limon et Neos par contact. Ouais, t'inquiète pas qu'il m'aurait mis des trucs de fou avant. Hein. Je préfère limite, en fait, sans vraiment regarder ma main, je préfère limite que lui a une main de merde. Ouais, il a eu le slime très très vite. Donc ça c'est autre chose. Mais je préfère limite que lui il ait une main de merde. Et que moi j'ai une main de merde, c'est pas très grave, tant que lui a une main de merde. Là il a pas une main folle, parce qu'il a que le Coffin Seller. Pour faire la coffine danse évidemment. Mais là, moi je peux faire à peu près la même chose. Ouais, il a la chirurgie pour le moment. Oh, s'il me fait Raviel, c'est incroyable. Est-ce que je fais instant Nécrombre? Ouais. Nécrombre. Si au moins durant ce périple on peut voir Armitil, on n'aura pas tout perdu. S'il me sort Armitil, peut-être je coupe le stream. Voilà. Grosso modo. Hein. Grosso modo. Ouais, là il y a des pièges. Là il y a les trois pièges continus. Donc tant qu'il n'arrive pas. Ok, à voir ce qu'il lui veut. On a un tout petit peu de temps. Au-delà de l'âme, ok. Si seulement j'avais ce qu'il fallait pour défausser mon Neos, mais malheureusement, je sais pas, les mecs qui ont fait le jeu, ils se sont pas dit, tiens, si on lui mettait ce qu'il fallait pour défausser Neos. Ah oui, il a 4 pièges par contre, là, ça commence à faire beaucoup. Sur DL, il n'y a pas Armitil. Non. Bon, bah c'est Uria très très rapidement quand même. Oh, il détruit en plus à chaque fois ma carte. Ouais. Bon. Tout est en place. Pour le show, tout est en place, absolument tout est en place, il a détruit la bonne carte, je peux invoquer Neos, et cette fois-ci, je m'y clique no, cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas moyen, hein, autrement, pas déconner. Ce qui est dommage, c'est que ça, on renvoie dans le deck, on fuse au contact et on met pas au cimetière. Ça, c'est tellement dommage, parce qu'avec l'autre de la lame, ça serait tellement incroyable. Je m'absente, rien n'a changé, ouais, son deck est assez puissant en vrai. Deck qui est vraiment très puissant. Et malheureusement l'effet du Neos luminescent quand il s'active, c'est juste bah tu peux pas attaquer quand tu détruis une carte monstre. Malheureusement. Du coup no battle phase. Et là je touche à rien. Je clique non. Ok. Armitil c'est un symbole chez Anthony. La carte que je n'ai jamais invoquée. Je clique non. Toujours je clique non. Ok. Et là, à ce moment-là, on peut être bien. À ce moment précis, il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses. Déjà, j'active l'effet et j'ai détruit ça. Premièrement, je passe en mode def. Bon, ça c'est une autre histoire. De conserver l'unicité. Non mais en fait, je sais pas si un jour je l'invoquerai cette carte. Armitil, bon. Ça restera le défi ultime, quoi. C'est moi où le jeu est plus rapide que d'hab. Très honnêtement, je sais pas du tout. Je peux pas te répondre, pour le coup. Normalement, il a plus rien. Normalement. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais... Il a messager de paix, donc je vais devoir lui détruire sa carte magie, mais c'est pas très grave. Ça, on s'en fout, détruire la carte magie, c'est facile. Ça, c'est pas ouf. Du coup, je crois que je peux attaquer directement quand je détruis une carte magie. Cette carte peut attaquer directement. Ouais, bon, bah, ça, je vais pas le faire du coup, mais pourquoi pas. En fait, je me demande si j'utilise déjà mon au-delà de l'âme pour faire Avian into j'invoque Nécrombre. Je me dis, tu vois, je me dis là, en vrai, je vais aller un maximum. Je vais aller très rapidement. Parce que je pense pas que j'aurai une autre chance aussi incroyable de pouvoir le battre avant longtemps, donc on sacrifie ça.
Et on attaque. Battle Fader, quoi. Encore Battle Fader. Super. J'avais un deck pour l'invoquer à l'époque où on faisait des duels sur Yu-Gi-Oh! Pro. Ouais, ouais, non, mais je sais qu'il y avait un deck pour invoquer très facilement le... Enfin, très facilement, je sais pas. Ah, mais si, il y a une carte dans le jeu pour... Incroyable. Il existe donc une carte dans le jeu pour envoyer Néo au cimetière, quoi. Bon, tant que j'ai plus au-delà de l'âme, ça me sert plus à rien. Mais ok. Mais ok. À quand la tier list des persos Yu-Gi-Oh? Ça me paraît plutôt compliqué à faire. Ça me paraît quand même assez long, hein, en vrai. Je vais pas te mentir. Oh, au-delà de l'âme. Mais non, 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 j'ai un autre carte avant. Ah, je ne peux pas, malheureusement. J'ai déjà fait, j'aurais pu faire sacrifice inutilement. C'est pas grave, on a gagné. Globalement. Pendant que ma lumière est en train de décéder. Rip lumière. Bon, du coup, on est bien d'accord. C'est juste cette carte qui ne peut pas attaquer. Cette carte peut attaquer. Non, monstre. Cette carte ne peut pas combattre. Mais on s'en fout que cette carte ne peut pas combattre. On détruit. Ah, je peux juste détruire ça. Ok. Je pensais que je pouvais détruire les cartes face down. Bon, on va pas détruire les cartes face down. Bon. Bon. Bon, tant pis. Tant pis. On lui fait gagner un tour de bonus, un tour de rêve pour le monsieur. Une chance de pouvoir peut-être le réaliser, peut-être. Peut-être, peut-être. On lui donne une chance. Allez. On est gentil. Parce que nous, on aime bien se faire battre, quoi. Mais là, normalement, il a aucune chance, en vrai. Donc en fait tu peux détruire du coup les face down de l'adversaire par contre. Ah non, c'est peut-être que les face recto du coup. Ouais, c'est que les face recto, ok. Tiens du coup, ce qu'on va faire. Bam. Et là cette fois-ci je peux R. Je vais en détruire 3. Allez. Et là il te défonce. Non mais là c'était vraiment impossible là. Là on va juste détruire ça, ça, on détruit tout. Comme ça, aucune chance qu'il me fasse des trucs. Et c'était de l'explosion chaotique. Et là, imaginez Battle Fader qui l'a top deck. Bon. Victoire. Battle Fader aurait été incroyable. Évidemment. Même pas, je lis son histoire, rien à foutre. Il m'a tellement fait chier. Et regardez, nous avons débloqué Armitil. Ah, mythine. Il nous reste combien de duels? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est parti, le pouvoir enfoui. Yubel fut vaincu, mais elle prit possession du corps de Jesse. Oh, c'est dommage, hein. Comment ça, vaincu? Je n'ai pas encore vaincu. Hâte que tu ouvres Sacred Beast of Chaos. Ouais, mais j'ai hâte de voir un peu. De pouvoir me faire un deck bête sacrée, enfin. Ça va être assez cool. S'il n'y a plus de coronavirus et que les trucs sont pas reportés. Mais je pense que ça va, parce que ça sort cet été. Ça devrait aller. Oh non, mais on joue encore Jaden. C'est quoi le combat contre Yugi? Comment ça? C'est un combat contre Yugi. Quel effet je peux activer? C'est la flûte. Rien à foutre. Bon, là je sens le deck de le arriver de plus en plus avec full full full. Oh mais ça y est, nouveau Neos. Enfin. En vrai, si j'avais eu le dauphin, ça aurait pu, j'aurais pu faire un combo de fou. Bon, j'ai pas le dauphin. Le niveau de difficulté contre Yugi. Ah, je sais pas. Ça, je t'avoue que je ne sais absolument pas le niveau de difficulté contre Yugi. Je pense pas que ça sera le duel le plus compliqué. Ça, je vais mettre en mode face down. Allez. Le petit colibri. Pourquoi pas, à un moment donné. Tout son look, ses yeux, son duel disque. Parler de quoi? C'est quand on joue Zane?
Ah, je crois que Zayn c'est déjà mort, hein, je sais pas. Je sais pas si on rejoue Zayn là dans cette aventure, je vais pas te mentir. La super polymérisation! On peut faire lequel? On a le Néos arc-en-ciel et. Rendez-vous compte. Néos plus un monstre cristal ultime. Du coup celui-là on pourra pas le faire. Ah mais par contre c'est le seul monstre que je peux faire avec ma super poly sur le terrain adverse quoi. Ok. Non mais c'est. En vrai c'est. Est-ce que je fais le colibri pour gagner des points de vie? Ça va être la tortue, hein. On le sait, hein. Allez. C'est parti pour aller gagner des points de vie. Non, toi, tu... La flûte Kuribo, pas maintenant, hein. Plus 2000, ça fait plaisir. Putain, mais la super polymérisation, quoi. Je me rappelais plus du tout. Je me rappelais plus que Jaden jouait cette carte, en fait. Donc, ça se trouve, il la joue pas. Oh, c'est le chat. C'est le chat, ça tombe bien. Ah oui, Jesse possédé par Yubel, il est visuellement tellement classe. Bah il est... Attends, il me demande d'envoyer au cimetière une carte. Laquelle je vais envoyer? Il devrait mettre 5 remplacements dans Duel X. 5 remplacements de quoi du coup? 5 remplacements de quoi? Je connais plus l'effet du. Cette carte machin machin, ouais, ça on s'en fout. Tant que vos life points sont inférieurs à ceux de votre adversaire, cette carte gagne un montant d'attaque égal à la différence. Ah. Bah, ça marche pas trop du coup. Hein. Ça ne marche pas trop pour le coup. On va juste faire plus 2000. Et j'ai invoqué ça. 2000, c'est très bien. Oui, non, mais en fait, mais c'est tous les coups des remplacements. Qu'est-ce que tu veux dire en parlant de remplacement, en fait? Oh mais c'est toujours pas la tortue. Ok, mais pourquoi pas? 5 emplacements. Ah non 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 c'est. Non non clairement pas. Non le jeu est fait pour 3, il restera pour 3. Et il faut qu'il reste pour 3. Et sur mobile, 5 emplacements c'est infernal en fait. Là on est sur PC donc 5 emplacements ça passe easy sur l'écran. Mais encore. Mais 5 emplacements sur mobile c'est infernal, vraiment. Ok, il va me détruire mon Eos, ok. Bon, je peux le réinvoquer, hein, donc. Donc, au pire, il est peut-être déjà mort. Je vais voir ce que je peux aller tuto, à part un Neos. Bah, je peux tuto Neos. Il faudrait tenir ton téléphone à l'horizontale, ouais, c'est ça. Sachant qu'ils ont quand même très bien compris que tenir le téléphone à l'horizontale, c'est pas ce qu'on aime faire quand on veut jouer à des jeux mobiles. Hein. Par contre, des places dans l'extra, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas des places dans l'extra, ça pourrait être ça, être appréciable, mais quand il y aura les X's. Parce qu'autrement, avant, ça sert pas à grand chose. Autrement. Bah non, on va juste attaquer en fait. Juste attaquer. Non, battle phase. Je veux les. Quoi? Les rush duels dans Duel Links. Bah ça, c'est pas possible du coup. Ça par contre c'est vraiment pas possible parce que c'est vraiment une mécanique complètement différente donc faudrait carrément. Moi je pense qu'il faudrait un autre mode de jeu. Il faudrait qu'au Japon, imaginons dans un an, ils te sortent au Japon un Rush Duel Links. Évidemment le nom est débile mais un truc un peu comme ça. Et là ça serait vraiment incroyable. Et même s'il sort qu'au Japon, tu vois, genre instant on y joue quoi. Instant on y joue. Et 1300, et on va regagner des points de vie parce qu'on en a jamais assez, à vrai dire. Et c'est la victoire. Ah, Jesse, par exemple, il a pas fait grand chose. Il a pas fait grand chose, Jesse. Tu joues sur quoi? Là, je joue sur PC. Je suis sur PC. Téléphone à l'horizontale, c'est bien pour code mobile, mais pour les jeux un peu stratégie, bof. Oh, je dirais pas forcément pour les jeux stratégie, mais c'est vrai que je trouve que ça sert pas à grand chose. Quand tu joues à ton téléphone,
généralement tu marches dans la rue ou quoi. Moi je sais que Duel Links, je jouais dans le bus ou quoi, et dans le bus j'avais une seule main pour jouer, ça me suffisait, et l'autre j'utilise pour marcher quoi. Alors que si j'ai les deux mains après, enfin je sais pas, moi je trouve que sur téléphone un jeu à la verticale c'est bien mieux. Après que Salibis s'est éclaté un peu, je vais pas te mentir. Voilà, regarde la main que j'ai quoi. C'est... On a rarement vu une main aussi débile. Et on remarque que mon extra deck fond de plus en plus. Hein. Mon extra deck qui fond. Oh, mais bien sûr. Un monstre ténèbre. Nous avons Escurie d'Ao qu'on peut faire avec la super poly. Ah mais... Et c'est parti, j'en ai rien à foutre. Moi j'en fous, je défausse la poly, j'en ai rien à foutre, je veux faire Escurado maintenant. J'aurais pu attendre qu'elle invoque Ubel et puis rien à foutre. Moi je veux juste faire super poly, moi. Escurado. Tu utilises tes mains pour marcher. En fait, tes mains, t'en as besoin pour marcher, pour courir. Dans toute ta vie, t'as besoin de tes mains en fait. Voilà. C'est un petit tips. Puis t'en as besoin aussi pour te rattraper. Tu sais, quand tu joues à ton téléphone et que tu te prends un poteau et tout. Et voilà. Pas bien. Et est-ce que j'ai enfin Herman dans le deck? J'ai même pas Herman, j'ai que Prisme. On va prendre Prisme du coup. J'utilise ça pour faire plein d'autres trucs. Eh oui. Alors regardez ce que je peux faire avec Prisme. Eh ouais, je peux faire une fusion en fait, non. Ça n'a pas l'intérêt. Attaquons. J'ai besoin que d'Adoa pour marcher. Calmons-nous. Inverseur de limite. Ubel. Et super poli. Non, calme-toi. Calmons-nous, la Ubel pour le moment toute seule elle sert pas à grand chose. Herman, tu l'avais dans le premier deck. Mais Herman, le problème c'est que. Oh! What the fuck? Double cyclone! Oh, dans quel monde? 19 messages ont été supprimés par un modérateur? Ah, c'est pas mal ça. Attendez, faut que j'aille voir en vrai qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment je fais pour aller sur le mode. Ah, je ne sais pas. Mais qui a spam 19 messages, bordel? Bon. Il a spam, ah ok. Voilà, le problème c'est qu'il faudrait pouvoir faire lui. Faudrait pouvoir faire lui. À 4005. Là, tant qu'il y a Ubel, je fais rien. Ah ouais, il y a écrit 19 messages ont été supprimés par un modérateur, donc. Bon. Tornade mystique, ok. Ah, ça a supprimé ce qu'il avait mis avant. Ah oui, c'est vrai que Mubot fait ça. Mubot supprime tout. D'un coup, c'est vrai. Bah, en vrai, là, tant que j'ai pas la soluce. Autant attendre, hein. Autant attendre tant que j'ai pas la soluce. Neos. Putain, mais en vrai, la super poly qui était tellement fou. Mais le double cyclone, je m'y attendais tellement pas. Bon, du coup, j'ai Neos. Est-ce que j'ai un monstre Chris? Alors, attendez, on va lire son effet. Une fois partout, vous pouvez activer ses effets. Envoyez un monstre que vous contrôlez au cimetière. Mélangez tous les monstres contre votre adversaire dans le deck. Est-ce qu'au moins je possède un cristal ultime dans mon deck? Oui, quand même. Je pense. Je sais pas. On va voir. Hein. Normalement, on va dire que oui. Ok. Mais de toute façon, oui. Maintenant, je deviens lui. Et vu que c'est un cristal ultime. Quoi? Comment ça? Ok, du coup on peut pas le faire en fait. C'est cool. C'est vraiment cool. Ok. Ça me paraît bien. Après je crois que pour Prism il faut envoyer exactement le nom exact. Et comme c'est un monstre cristal un monstre cristal. Regarde. C'est écrit un monstre cristal ultime.
Et c'est pas le nom exact, du coup je crois que Prism ne peut pas envoyer en fait. C'est tout con en fait, tu vois. Du coup j'ai rien d'autre à faire que de Tarwindo en fait. Sinistre prédiction. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup ça fait quoi? Je perds 700 points? Oh, c'est une continue! Chaque tour il peut me faire perdre 700 points? Pioche un cristal ultime, bâtard! Ok. C'est chiant, ça Kuribo c'est un peu chiant parce que du coup bah... Est-ce que du coup mon objectif ça serait pas envoyer une max... Je sais pas. Faut Yubel fasse Rainbow. Je veux bien que Yubel me fasse Rainbow. Mais là déjà, si elle devine à chaque fois le bon truc, ça me fume. Rachet, t'as pas deviné. Allez, prends-toi ça un peu. Et alors? Direfer. Bon. Envoie-toi. On écrombre au cimetière. Sinistre présage. Pioche encore la... Mais le problème c'est que elle va prendre carte monstre à chaque fois et j'ai trop de cartes monstres. Il me reste 3700, c'est grave. T'as pas Rainbow dans ton deck? Bah peut-être. Mais j'ai surtout des cartes de merde, bordel de merde. J'ai que de la merde là. Attendez, il faut juste que je remette un peu le truc, le green screen, parce que du coup, ma lumière secondaire s'est éteinte. Il me reste plus que celle-là de lumière. Donc filtre. Ah, parce que là, c'est pas très beau là. Filtre et. Ah, il me faut vraiment de la lumière. Attends, et finesse. Pas mal hein, ce qui se passe ici là. Attendez. On va réussir. Je vais réussir à faire cette fond vert. Attendez, en vrai, ce que je vais faire, je vais juste la mettre là. Hop. Et éclaire un peu comme ça là. Fais péter ton éclairage un peu là. Oh, ça va mieux. Ça va mieux. Il y a des petits artefacts, mais tranquille. Je deviens noir. Ça ne sert à rien. Ok. C'est bon. Je peux rien faire. Je crois que je peux rien faire. Et malheureusement, le Kuribo, il se ferait détruire trop tôt. Joba de Bakugan, exactement. Choisis genre carte... Ok. Allez, c'est l'heure de piocher. Ok. Donc c'est donc le moment. Donc le moment où on fait le monsieur. Donc effectivement, Rainbow Dragon, il est là. Il est là. Du coup, son effet, c'est on renvoie tout dans le deck. Donc normalement, l'effet du Ben ne va pas s'activer puisqu'on renvoie tout dans le deck. Et pas ailleurs, il me semble. On va voir. On verra bien. J'aurais pas dû utiliser son effet maintenant. Oui, non, mais je pensais en fait qu'il... Je pensais qu'il faisait pas ça. Bon, c'est pas grave. C'est coûteux, hein. Ah, ce n'est pas grave. Hein. J'apprends les effets. Et on l'attaque. La première fois que j'ai lu l'effet de cette carte, j'ai lu envoyer un monstre de votre adversaire dans le deck. J'ai pas lu envoyer un de vos monstres, puis après... Bon. Ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, nous savons que Jaden possède Rainbow. Et Charité Gracieuse. Et Typhon qui a été envoyé. Et Colisée Sauvage. Là, j'ai gagné des LP, quoi. Trop bien. C'est pile ce que je veux, les LP. C'est pile ce que je veux, les LP. Sparkman, allez. Après, voilà, si elle n'arrive pas à invoquer Yubel, on peut s'en sortir, tu vois. Par contre, j'ai vraiment gagné... Ok. Par contre, le fait que tout le monde doive attaquer, ouais. À peine de l'étranté. Ça, c'est autre chose, ça. Ça, c'est... Ah oui, je suis obligé d'attaquer, c'est vrai. Oh là là. Mais fumier, va. Fumier.
fumier. Ah oui, typhon espace mythique. Bon, voilà. Et ben voilà, maintenant, vous savez, maintenant, je connais l'effet du monstre. Voilà. Est-ce que ça serait pas le principal? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Carte monstre a été sélectionnée. Bon, c'est loose. C'est loose, mais maintenant, je connais l'effet. Tout va bien. Par contre, ça me fume en vrai. Elle a même le colisée. Ça me fume en vrai. Par contre, là, l'espère poli, je l'utilise pas pour faire escurado dès le premier tour. Jubel a le coronavirus. Jubel a pas mal de trucs, quoi. Hein? D'accord. C'est drôle, ça, un peu. Enfin, je sais pas. Voilà arc-en-ciel. Voilà arc-en-ciel. D'accord. Par contre, on en parle qu'on a une carte changeur un peu bizarre où ça parle de colonne. Non, mais ça, c'est normal. C'est une mécanique qui existe dans le TCG depuis quelques temps maintenant. Et en fait, il va falloir que du coup, Duel Links, ils ajoutent le fait de, qu'on puisse ajouter. Ouais, d'accord. Qu'on puisse mettre les monstres dans les colonnes que l'on veut. Autrement, l'archétype qui vient de sortir, donc les mecs Shiryu notamment, ce sera de la merde autrement si on peut pas choisir notre colonne. Enfin. On pourra les invoquer sur la colonne du centre globalement, mais sans plus. Bon, je vais faire ça maintenant parce que en vrai, je nique. Je pense qu'on a forcément un au-delà de l'âme dans notre deck, donc on va forcément foutre des trucs au cimetière. Enfin, on va forcément pouvoir l'invoquer à un moment donné, j'espère. Ah, et pour une fois, c'était une tomate mystique. Et du coup, je suis obligé d'attaquer avec le colisée. Ouais, pourquoi pas. Je gagne 300 et du coup bah je suis obligé de l'attaquer. Bon. Donc je prends 1600, ça fait plaisir. Est-ce que j'aurai le droit le prochain tour de passer mes monstres en défense? Détruisez tous les monstres en position d'attaque face à toi, contrer pour un joueur du tour qui n'ont pas déclaré attaque, ça on s'en fout. Ah oui, elle est obligée d'attaquer tous mes monstres. Bon, d'accord. C'est marrant. C'est plutôt drôle. Du coup, destroy parce qu'il n'avait rien d'autre à destroy. Et ça c'est bien. On va prendre E. Je vais prendre encore un prisme. On va essayer de forcer un peu les dégâts. Oh, je suis obligé d'attaquer avec chaque monstre. Ça me fume par contre. Ça me fume vraiment. Et ben, on attaque avec chaque monstre parce qu'autrement on se fait destroy. De toute façon, on ne peut pas passer en phase. Ça fait plaisir. Oh là 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 là. Ça c'est chiant quand même. Ça c'est vraiment vraiment ultra chiant quand même. Putain, pioche super poli, frère. Pioche super poli, s'il te plaît. Pioche pas de monstre d'ailleurs, toi. Il va mettre. Normalement, il dit monstre, normalement. Ouais, voilà, il dit monstre. Du coup, elle est obligée d'attaquer. Elle va gagner 300. Il se passe rien. Main phase 2. Pas de monstre, on détruit ça. Bon, il a perdu cette fois-ci son appel de l'étranté. J'espère que tu l'as pas encore. Oh. Bueno. Bueno. Oh putain, je peux en faire. Non, je peux pas en faire deux. Calme-toi, pardon. Calme-toi un petit peu, monsieur. Calme-toi, monsieur. Sachant qu'il me reste 2900 points de vie. Quand je vais attaquer, je vais regagner 300. Toi, je te mets là pour gagner de la place. Ça peut juste envoyer un monstre. Hein. Depuis tout ce temps.
Non mais par contre là ça me... Là je suis au fond. Je suis au fond. Mais bien sûr, mais hommage torrentiel à Yubel, mais bien sûr, évidemment. Histoire que ça soit pas suffisamment chiant, tu vois. Mais merde. Mais merde quoi. Ah oui d'accord, encore un appel de l'étranté. Encore un appel de l'étranté, non mais bien sûr, on en est vraiment là quoi. Mais merde quoi. Ah là là, et j'ai encore des points de vie, putain j'en ai 100. Ça me fume. 100 points de vie quoi. Ah oui c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal ça. Utiliser le deck Exodia. Non moi j'ai pas, je me suis pas fait le deck Exodia moi. J'ai pas assez, je crois. Je crois que je n'ai pas assez pour un deck Exodia. Non mais là le meilleur top deck quoi, ça me fume. Non mais là par contre l'hommage torrentiel quoi, l'hommage torrentiel. Je sais pas si c'est la carte qu'elle venait de poser ou si elle l'avait depuis le début. Mais partir d'un moment. Par contre Sage Fusion ouais pourquoi pas. Putain c'est dommage qu'avec Sage Fusion je ne puisse pas prendre la super poule. Je vais devoir sans doute mettre juste un Avian mode def. Est-ce que j'attends le prochain tour et je fais aile de feu? Ouais. Ouais, on va attendre le prochain tour et faire aile de feu après, ouais. Charité. Bon, elle a. Pourquoi poser charité gratuite? Ok. Ah oui, c'est. Ah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal ça, monsieur. Il se passe des choses, quoi. Il se passe des choses. Il se passe des choses, mais par contre, pas de back row, Yubel au cimetière. Tu vois ce que je veux dire? Oh non! Oh non! Me dis pas qu'elle a eu la main pornographique. Parce qu'il faut arrêter. Faut arrêter les conneries. J'ai le faux héros. Ok. Et c'est parti pour hommage torrentiel. Moi, je m'en fous, je fais aile de feu. Rien à foutre. J'ai décidé de changer mon fusil d'épaule. Et d'aller tout droit. Hein. Mais là, normalement, c'est appel de lettre hantée Yubel. Normalement. Si tout se passe bien, si le jeu veut qu'on perde. Et j'attaque, et déjà, c'est pas un hommage torrentiel. Bon, ça est fait. Mais tais-toi avec toi. Oui, je gagne 300, mais moi, je veux surtout lui mettre les boom. En 1007. Bon, pour le moment, pas d'appel dans les 30 pour le moment. Mais arrêtons-nous là. Juste, il y a aussi interruption de Rageki. Juste arrêtons-nous là en fait. Toujours plus. Mais c'est quoi cette merde? Bah, je peux rien faire en fait là. Là je peux rien faire en fait. Normalement c'est top deck, je pioche un monstre, j'ai ce qu'il faut. Non il a pas ce qu'il faut. Mais de toute façon on sait comment ça va se terminer, hein. On le sait. Normalement c'est hommage torrentiel là-dessus qui pop instantanément et c'est loose. Après on va pas appeler le diable bien sûr, mais je sais qu'il est là. Là il y aura tout là. Là normalement il y a tout. Tandis qu'on a une instru de fou. Mais faux héros j'aime pas. J'aime pas faux héros. J'aime pas du tout. Ouais, 300 ça fait plaisir. Oh s'il te plaît, ne pioche rien et n'aie pas encore d'interruption de Rageki. S'il te plaît. Bon, il ne faut pas que j'invoque des monstres, autrement j'ai perdu. Mais j'ai tellement envie d'invoquer un monstre, mais je peux pas. Non, en vrai, faudrait que je... En vrai, en soi, faudrait que je prenne prisme. Vu qu'on sait qu'il y a possibilité d'avoir hommage torrentiel, je prends vraiment zéro risque, je mets pas de monstre quoi. Je regagne 300, on est à 2100, on peut tenir un petit peu. Spammer ça pour une bonne pioche.
Spam this coin. To win this game. Ouh. Ah oui. Spam this coin, boy. Ok, je me suis pas pris 700. Comment ça? Oh, l'hommage torrentiel qui a été défaussé. Ok. It's time to Gogeki. Bah du coup, ouais, j'attaque. Ok. Ok. Seuls les ténèbres vaincront. Je suis, regardez, je suis ténèbres. Je suis Escurie Dao, je suis ténèbres. Heureusement que j'ai re-augmenté mes points de vie parce que... Mais oui, je sais que t'as bon, t'as monstre, c'est bon, c'est moi cette... Ok. End phase. End phaso. Cette fois-ci, tu me laisses là, Kogeki. Juste, tu me laisses en fait. Merci. Victoire. Victory. Yubel tenta d'utiliser la super polymérisation pour fusionner tous les mondes, mais non, elle n'arrive pas parce que je l'ai défoncé au bout de 3 duels. On a gagné évidemment, double cyclone, double pistique, et uniquement cauchemar ultime hein, par contre, hein. Il me fume. Ah, il nous reste que 2 duels et nous sommes face au boss, le boss final, nous sommes face à Masque de la Nuit. C'est parti Masque de la Nuit, c'est parti. Ouf. Et ben bordel, et ben bordel, et c'est suite à ce duel que Jaden devient Jaden plus sombre. Madame, nous avons le monsieur très très sombre là, Masque de la Nuit. Konami qui a eu la flemme de Ruski Jaden, ça coûtait trop cher. On a super poli, mais par contre on a aussi on a E quand même. Voyons voir notre extra. Même extra, en plus on a rajouté Neos Divin. On a quand même rajouté Sparkman. On a, bon, on a Escuriado toujours pour la super poli quoi. Et on a Masque du Héros. On a Darkbrai, donc Sparkman pourrait être cool. On va prendre Sparkman. Enfin, on va déjà voir ce qu'on a en fait, parce que peut-être on a enfin un Airman. Non. On a Neos. Neos Prisme. Allez, le Spark. Le Spark. Comme ça, ça skip la saison 4. Ouais, la saison 4 qui n'a jamais été disponible. C'est terrible, mais bon. Mais bon, tranquille. Je mettrais bien juste un Kuribo Ele pour le first turn. Pour me dire, allez. On va voir ce qu'il va nous faire. Mais encore. Mais encore. Putain, mais c'est le deck de Rianyu. Ah oui, c'est bien ça quand même. C'est le deck de Rianyu. C'est lui. C'est le fameux. Ok. Oui, il y a beaucoup de duels qui sont passés, hein, bien évidemment, dans le jeu. Bon, comme ça. J'ai rien à foutre au cimetière pour le moment. Toutes les cartes sur le terrain, quoi. Ah, c'est rigolo la couleur de Neos, mais pas maintenant. Allez, on va juste attaquer. Tu vas te prendre un Dice Jar, tu vas parler coréen. Bah, je me suis déjà pris une chaîne démoniaque, déjà. Donc, c'est déjà pas mal. Ok. Pourquoi pas la petite chaîne démoniaque qui fait toujours plaisir. En phase. Et là, boum, colère de Neos. Non, calme-nous. Moi, je tente. Hein. Vous savez, je suis comme ça, je tente. Hein. On va sacrifier le Kuribo Ele. Non, c'est pas Masque Change. C'est Masque du Héros, mais c'est pas pour Masque Change. Elle est pas faite pour ça, cette carte-là. D'ailleurs, je devrais poser la Super Poly en face down à main phase 2.
Double chaîne démoniaque. Mais bien sûr, il n'y a aucun souci. Moi, j'attends juste que tu me poses un monstre, en fait. Oui, battle phase terminée. Bon, je pense qu'à un moment donné, on va devoir colère de Neos masque avec Prisme, hein, je pense, quand même, parce que globalement... Pourquoi pas sacrifier Prisme avant? Parce que au pire, Prisme, je le super poli, en fait. Je m'en fous. Prisme, je vais le super poli. En fait, soit l'un des deux, je super poli. Moi, le Kuribo Ele, là, il me... Ah oui, d'accord. J'ai vraiment encore une colère de Neos. Non, bah moi, j'attends qu'il me pose des monstres, en fait. J'attends qu'il me pose des monstres, en fait. Sinistre Yorishiro qui invoque l'envahisseur des ténèbres. Ok. Ah, j'ai pas réutilisé ma super poly. Qu'est-ce qui m'en empêche d'utiliser ma super poly là actuellement? C'est lui. Votre adversaire ne peut pas jouer de carte magie jeu rapide. Ça me fume. Ça me fume. Du coup, ce qui serait... Donc là, j'envoie un monstre héros élémentaire depuis notre écho au cimetière. Et là, je pourrais faire colère du Neos. C'est parti. Et colère du Néo, c'est parce que j'en ai plus rien à foutre. Renvoyer du deck. Donc je renvoie ça. Et on détruit absolument tout. D'abord invoquer Spark. Je sais pas exactement ce que je vais pouvoir faire avec ma fusion miracle, mais je vais la faire. Dark Bright m'intéresse pas trop. Je vais faire Escurie à dos, du coup. En prenant... Ah, il faut que je prenne un ténèbre. Moi, bon, j'aurais pu mon écrombre, mais de toute façon, j'ai même plus mon Neos dans la main. Donc tant qu'à faire, autant les utiliser maintenant qu'ils sont dans mon cimetière. Et essayer d'aller rapidement. Peut-être vers une victoire, qui sait. Colère de Neos encore dans ma main, bon. Comment ça, la chasseresse du chaos? Ok, y'a pas de soucis. Putain, mais la chasseresse, quoi, hein. Les vraies cartes. Oh non. Bon, ça, en vrai, ça peut être sympa dans certaines situations, que ce soit pour des X's ou des synchro ou quoi que ce soit, mais là, du coup, bon, bah, on s'en fout un peu, en fait. Q243, canon. Par contre, là, le prisme qui va envoyer je sais pas quoi au cimetière, mais... Attendez, on va peut-être envoyer lui, en vrai. Et on va envoyer la panthère. J'envoie encore un Neos au cimetière. J'en ai rien à foutre. Moi, Neos, j'en veux plus. J'ai pas utilisé la colère, calmez-vous. Hein. Juste pour augmenter lui, en fait. Hein. On se calme. Chasse ciel limité. Bah, en vrai, il est quand même pas mal fort. Hein. Juste, tu invoques un token un peu gratos comme ça. Il est X6 GX. Non, mais bien évidemment. Mais et les cartes, elles ne servent pas que pour GX. Hein. Oh, la fusion miraclée. Je peux refaire quoi depuis, du coup? Parce que du coup, j'envoie... Putain, mais du coup, je peux faire effet prisme. Je peux encore envoyer un écrombre au cimetière. Et du coup, je peux faire une fusion miracle. Et avoir deux escuries à dos, normalement. Même s'il va perdre un peu de points d'attaque, mon escurie à dos, c'est pas très grave. Pas très grave. Du coup, je prends que les cartes de mon cimetière, bien évidemment. Toi, oui, c'est bien le bon. En une carte, tu peux faire une Link 2 gratos. Oui, voilà, c'est ça qui est fort. Neos est un homme en colère. Exactement. Dans le film Les 12 hommes en colère, Neos est le plus en colère. C'est parti. Nous avons 2006 et 1700. C'est win, monsieur. Monsieur, vous ne pouvez rien y faire. Vous n'avez pas de Battle Fader, vous... Et on a fini quasiment l'histoire de GX. Il nous reste bien sûr le combat contre Yugi. Ah, la vie n'est jamais facile, elle ne le sera jamais, mais c'est ce qui rend la vie géniale. Comment profiter de moments difficiles si on ne vit pas? Attendez, il faut mettre des musiques un peu plus... Voilà. Parce que là, c'est gagné, du coup.
Tant que nous aurons nos cartes, nous n'avons pas à faire face à l'avenir tout seul. Et cela parce que les cartes nous rappellent tous ceux avec qui nous sommes battus en duel. Et chaque dueliste est un ami. Même les méchants qui veulent te tuer, ce sont des amis. Bien sûr. Oh Jaden, j'entends des voix, regarde, nous sommes tous schizophrènes un peu, nous entendons beaucoup trop de voix. On dirait qu'ils veulent traîner avec moi au lieu de s'ennuyer avec dans ta déprimante dimension nulle. Jaden Yuki, un jour je reviendrai. Et non, je ne pense pas. Ferme ta gueule. Duel contre Yugi, le dueliste légendaire, c'est parti. C'est parti, nous voulons jouer contre Yugi. Non mais Yugi qui a possédé un dégradé sur son visage. Pour Lolo, incroyable. Hein. Incroyable. Qu'est-ce qu'il a supprimé encore, Moubot, là? Ils ont fumé un truc. Peut-être. C'est possible. Vous savez, pour faire un jeu, il faut beaucoup fumer. Hein. Pour faire un jeu. Je dis qu'il fait une blackface. On se gâte. Oh, regardez, enfin les changements de masque. Enfin les changements de masque, quoi. Enfin. Moi, je veux ça, moi. Dans le tour de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte. Puis votre cimetière, ce tour, annuler les prochaines attaques du monstre contrôlé. Ok. J'aurais pu mettre Noué pour le foot en mode def, mais bon. On va faire ça. On va faire ça déjà, on va la foutre au cimetière elle. Et si le gardien sceptique recyclé ne peut pas être détruit par un monstre à 1900 plus, yes. Du coup, attention, en effet, juste. Ok, c'est rigolo. Le double changeant de masque. Est-ce qu'on peut faire les vrais combos? Oh là là, mais on a... Attendez, donc déjà, Trinity, bon, on peut pas le faire pour le moment. Adoration, on peut pas le faire pour le moment. On a Vapor en haut. Goka en feu. On a Dark Law, hein, c'est bien quand même. On a Dian. On a... Bon, l'élimination, ok. On a quand même un Neos Magma tout de même. Brasier. On a tout et n'importe quoi. Malheureusement, nous nous permet de faire que Dian. Et Dian, il est pas fou, quoi. Dian, lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre héros de Max Nemo 4 depuis votre deck. C'est pas mal, mais par contre, je peux pas détruire son monstre en fait. Donc, je suis un peu. Pour l'instant, juste le poser là. On va essayer d'aller chercher une petite poly le prochain tour là. Si jamais il arrive pas à détruire mon monstre. Jaden qui tellement jamais eu les masques change dans l'animé. Oui, non, mais on sait, oui, c'est dans le Mongo. Au moins 4000 pour un Black Magician, nous quand même, hein. Yugi, un peu vénère. Un poil vénère, mon jeune Yugi, là. Un poil vénère. Évidemment, la musique de Stardust sur le Black Magician, bien sûr. Évidemment. Oh, il décide de... Ok. Pas de problème, frère. Pas de soucis. Pas de soucis. Il faut qu'il soit en mode défense ou pas? Non. Le Black Magician fait Zawar Do. Alors, je sais pas ce qu'il fait, le Black Magician, mais il fait des trucs, hein. Voilà, enfin, là il s'est quand même déjà pris 4000 quoi. Et c'est ma stand-by. Pas le masque change tout de suite, je veux juste aller chercher. Non, la stand-by je veux. Merci. Allons chercher la petite poly. Pose tes change masques. Bah là ça va à rien en vrai. Tu peux me dire de poser mes change masques. En fait là sur ce tour là ça ne sert à rien parce que de toute manière mon noeud. Je comptais qu'il se fasse détruire et après faire appel des 30. Donc là, sur ce tour-ci, ça ne servait pas à grand-chose. Du coup, nous pouvons faire plusieurs trucs. Nous avons Adoration qui peut cibler un monstre face-to contré pour votre adversaire. Et non, pas Adoration du coup. Je vais faire Dian. Hein. Okay. On a Force de Neos qui peut être sympa, mais on va faire notre petit Dian. Notre petit Dian. Par contre, j'ai qu'un seul Dian. Et ça me chagrine un peu. Ça me chagrine légèrement. Même si on pourra faire des trucs. Donc là, je vais le laisser dans ma main, bien évidemment. Hein. Battle phase. On va détruire son Black Magician. Effet. Où sont mes monstres ténèbres? Putain, mais Brume. Brume qui va pouvoir faire des trucs pas mal. Brume. Viens ici, ma petite Brume. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes encore, Spirou? Aucun sens, hein, ce que tu racontes.
Masque Change. Tu vas aller me prendre. J'aurais pu attaquer son monstre en mode def d'abord pour tester. Bon. Après, mon monstre à 1000, j'avais peu de chance de le détruire. Donc Darklaw qui est juste un monstre beaucoup trop fort. Est-ce que je lui détruis son monstre en mode def? Ou alors je lui fais des dégâts, je vais détruire son monstre en mode def parce que je n'ai pas d'autre chose à faire avec Masque Change, j'ai pas d'autres ténèbres. Malheureusement, je n'ai pas d'autres ténèbres. Putain, ils ont pas mis Anki quoi. Parce que là, Anki, c'est des trucs de fou. Des trucs de fou, Anki. Ah bah j'ai bien fait du coup. J'ai tellement bien fait en fait. Ok. Là j'aurais beau poser mon Masque Change, tu vois, il n'a pas servi à grand chose. Mais Darklaw qui est toujours ultra sympathique. Et le prochain tour, je peux faire un truc de fou avec ma poly. Anki est apparu quand? Je sais pas du tout. J'avoue que je sais pas du tout quand c'est que Anki est apparu. Trou noir! Ha! Trou noir. Bon, je peux pas protéger mes monstres avec le monstre cimetière. Anki n'est ni dans le manga ni dans l'anime. Ah, il doit être beaucoup plus récent du coup. Par contre, trou noir... Comment dire? Oh, le top deck quoi, top deck, ça c'est parfait, ça c'est parfait parce qu'on a justement, non pas toi tout de suite, on a justement un il a combien le monstre haut, enfin, il a que ça hein. Il a que 2400 quoi. Bon là je le fais parce qu'on veut des dégâts quoi, on veut des dégâts quoi. Ah oui, acide. Mais acide ne sert pas à grand chose parce que ils ont toutes les cartes contrôlées par notre adversaire. Bon, on va quand même faire acide. Attends, lui il est pas destructible au combat. Moi je vais quand même faire acide. Il a 2006, ça passe au-dessus d'un magicien des ténèbres. Ça passe au-dessus d'un magicien des ténèbres, mais ouais, acide. Acide, c'est rigolo, acide. Ah, fin du tour. La poly qui peut servir pour faire des trucs, mais pas maintenant. Quel effet de Darklaw j'ai pas activé? Quel effet de Darklaw? J'ai pas vu. J'ai pas vu d'effet de Darklaw que je pouvais activer sur... Parce qu'il a, il a pas du tout de truc. Il a rien tuto. Quand il est détruit, il y a un effet que t'as pas activé. Il y a un effet que j'ai cliqué non sans faire exprès. Mais Nick, je veux juste descendre. Ah non, il n'y a pas d'effet à Darklaw. C'est s'il est détruit, enfin si mon adversaire tuto, il fait des trucs quoi, mais il n'y a pas de... Non, c'était le protecteur. Oui, voilà, c'est le protecteur. C'est ce truc-là qui veut s'activer depuis tout ce temps, mais que j'ai jamais activé parce qu'il ne servait à rien. Parce que Darklaw, je me disais bien, Darklaw, c'est que quand le mec il tuto des trucs quoi. C'est que quand il tuto. Et ben voilà! Et bah c'est fini. Bon, les masques, en même temps franchement les masques change c'est quand même une autre mécanique que les fusions de Jaden quoi. Donc clairement masques change c'est quand même bien mieux à jouer. Merci Yugi, c'était un duel génial. Tu m'as rappelé que peu importe ce qui se passe dans le futur, il y a une chose que je n'oublierai jamais, le plaisir des duels. Pff, ils sont pas fait chier par contre pour la fin de l'histoire. Oh, il avait des petites forces miroirs quand même hein. Des petites forces miroirs. Bon, pour la rediffusion, on a fini GX. Ça fait plaisir, donc merci d'avoir regardé hein, pour la rediffusion sur YouTube. Et nous sur le live, après on va continuer un peu avec DM. Salut à lui.